Bonjour à tous, bienvenue sur Stellaris, c'était Camon pour votre plaisir. On repart dans du 4X spatial magnifique, pour moi, à mon avis, le meilleur jeu de gestion stratégie spatiale, même si derrière j'adore beaucoup Master of Orion. Alors, j'ai eu peur en me connectant aujourd'hui, j'ai cru qu'ils avaient fait le patch des fameux relookages de secteurs, de plaintes et tout, j'ai dit, je vais jamais y arriver. Mais non, pas encore, c'est les développeurs qui parlent de ça. On est en pause. On a encore un mix nos voisins, on a des anciens qui nous gardent un peu les frontières. C'est vrai que par là, je peux pas coloniser ici, ça serait pas mal. Qui c'est là? Mitron Ovin Order. Oh, t'es mignonne toi. Une monarchie théocratique, des religieux soyez bénis. Mais ils m'aiment bien. On a déjà des tensions frontalières? Non mais ça va pas. Mitra, monde montagneux. On a des accords commerciaux avec eux. Je regarde un peu ce voisin. Ouais. On n'est pas contre eux. On a un pacte de non-agression. Ok. Bien. Le traité migratoire. Il y a encore du temps, hein. Ok, donc ça va, on est copains avec eux. Ah oui, mais ils ont tout ça. Ah oui, ça change complètement. Mictor Grid, c'est eux que j'aime. Ah non, c'est les robots. Mitron, eux, ils sont rendus là, il reste tout ça. Alors la question, c'est ici, bonjour, l'Empire déchu. Gardien du savoir, j'aimerais passer chez vous. On peut rien faire à part proposer un corps commercial. Eh ben on va essayer d'augmenter notre bonheur quoi. Communication. Allez, communication déjà. On y veut pas. Confirmer. Voilà. On va faire un autre, on va dire tiens, je mets un lien de capteur actif sur allez, une durée de 30 ans. Confirmer. Et on va se mettre en vitesse lente. J'attends le retour de retour, nous sommes négatifs, on s'en fout. Ah oui, ouf, ça pique. Ça pique. Alors, nous acceptons votre offre de tribu. Ils acceptent toujours notre offre de tribu. Et est-ce qu'on pourrait avoir le libre passage chez vous? Ah ouais, on est... D'accord, on gagne des points. Comment veux-tu augmenter ça? Bon, ils sont écrasants, méprisants... Ça, on l'a fait. Ressources stratégiques, les cristaux. Urantique. Alors, attends. J'en ai 2 sur 4. Ah, à la limite. Ça donne quoi, ça? Oh, bah, écoute. 25. Voilà, on fait ça. On va essayer d'être copains pour pouvoir commencer à coloniser de ce côté. Peut-être, pas tout lui laisser quand même. Surtout qu'il y a un portail L, deux portails. Bonjour à Nelson au passage. Ça c'est ok. Bien. Alors on reprend notre guerre contre les Prikititi. Ici j'ai quoi 29. Flotte de transport. Bah vas-y hein. Vas-y. Voilà. On va faire ça. Et excusez-moi, décidément. Bon, mon petit chat est content. On est où, là? On en fait quoi? Voilà. Alors, on a une flotte de 608. Et on bombarde. Ouais, c'est un peu tôt encore. Ok, on a une planète à prendre ici. Minier. Ah bah attends, on va fusionner un peu tout ça. Voilà. Ok, on a que cette planète là ici, ça va être sympa. Pas content, bien. Ah vous êtes un peu pénible les Prikititi quand même. Un labo, je suis d'accord, ils font rien. J'ai pas réparé un bastion. On va augmenter l'énergie pour toi. Si, j'ai un bastion.
Spatioport, vaisseau de construction, vaisseau scientifique. Ici, comment ça se passe? Compagnie commerciale. Bon. Alors autrement, j'ai eu un message de mon ami Tomari. Je dis ami parce que quand vous me postez des trucs intelligents, vous devenez des potes virtuels. On est d'accord, mais c'est super sympa. Donc tu m'as dit réorganise un peu tes stations, bon sang de bois. C'est-à-dire que tout ce qui est frontalier, beaucoup de tourelles de canon. Ce qui est planète intérieure, beaucoup de carrefours commerciaux. Et ce qui est autre en dehors des planètes, tu me dis ancrage à mort et chantier spatial. Oui, ouais. Par exemple ici. La station de Fulbadan. Le problème, c'est que si je baisse mes ancrages, j'ai mal. Je perds 3 ancrages, je perds 12 points. Ah, poste d'écoute, bureau de logistique de la flotte. Accroît la capacité théorique d'ancrage de la base stellaire, moins 25%. Empire, moins 25%, comment ça? Ah, j'ai un coup de base, d'accord, j'ai une réduction. Je gagne plus de 2 en ancrage. C'est vraiment... Il faut que je vois ça. Ici. Il y a des planètes, donc carrefours commerciaux. Donc tu me dis, c'est pas la peine. Je pourrais plutôt faire... un carrefour commercial. Si je t'écoute, c'est parti. Et ici, ancrage. On va essayer. Carrefour commercial. Voilà. Là, c'est vu. D'accord. Et ici, Durabius, c'est pareil. Du coup, carrefour commercial. Là, j'ai ancrage, j'y touche pas pour l'instant. Parce que. Compagnie commerciale, carte d'équipage, mais je n'ai pas de. J'ai personne ici, j'ai pas de forteresse. Bon. À la limite. Zone de sécurité, brouilleur. Vitesse subluminique, chance de désengager, c'est pas mal ça. Et un silo de stockage. On va voir, on va réfléchir. Bon. Station avec planète, là encore. Pareil. Carrefour commercial. Donc là, tu me dis que ça sert à rien. Ah ben, on y va. Chantier spatial. Par contre, ça, j'y tiens. J'y tiens, mais bon, ici, il n'y a plus grand-chose. Ah, mais si, il y a une flotte ici, à Vanna. La flotte des blizzards. Et là, je n'ai plus assez. Ok. Et là, ça sert à rien. Expérience de départ des vaisseaux, plus 100. Poste d'écoute. Porter les armes des bases stellaires, par contre, ça me plaît. Mais là, il n'y a pas d'armes. C'est un peu... agitation moins 20. Ah, bah c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, dis-moi. C'est lequel? La compagnie commerciale? Non, tu me l'enlèves. À qui la flotte? Les zones de haute sécurité, voilà. On prend plutôt ça. Ça, ça marche. Oui, je refais de la gestion pure, là, ici. Qu'est-ce qui se passe, là? Secteur manquant de ressources. Attends. Tout ça, oh là 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 là. Donc, c'est toi qui as le problème. Vanna Prime. Déjà, tu n'as pas de gouverneur. Je suis à 13 sur 15. On va recruter un gouverneur. Comment c'est ça que j'ai pas de gouverneur? Coup de recrutement, d'accord, mais là, physique, sociétal, on s'en moque un peu. Les bloqueurs. Allez, espérance de vie, on va avoir quelqu'un de sympa.
d'arep, grep. Donc c'est grep qui va mal. Pourquoi? Pas assez d'énergie, tu es à zéro. On refait un tour à grep. Voilà. On va jeter un œil à ta station. Zone 2 de sécurité. Paf. Ça ne rigole plus. Grep, c'est vu. C'est vu. On n'a pas vu la surface. Énergie. Ah ouais, non mais... En même temps, on a besoin du dôme. La science... C'est quoi ça? Capitale planétaire. On la laisse. Le bastion, ils mettent pas beaucoup. Hein. Fais-nous de l'énergie. Fais-nous de l'énergie, ça c'est bon. Et là, du coup, on va construire une pop. Et je n'ai plus assez. Bien. Bah, on verra ça au fur et à mesure. Écoutez, pas mal. On va y aller progressivement cette partie. Ok, il commence à m'aimer. Et nous, on retourne sur notre guerre. Bon, là, c'est bon. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, on est là-dessus. Armée 278, oui. On va fusionner un peu ce qu'il y a. Voilà. Et on va se mettre en orbite. Voilà. Donc ici, il faut que je renforce ma flotte. C'est parti. Vaisseau colonial qui travaille pour nous. Ça, c'est bon. Qui a fermé sa frontière? On s'en moque. On s'en moque. Alors. Ouais, pour l'instant, on n'a qu'une force de 55. On va continuer comme ça gentiment. Ici, on n'est pas embêté. On leur a coupé pas mal de choses finalement. Alors on revient avec ma force de 665. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là 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 là, va les contenir. Mais en même temps, ici il reste quoi après? Rien. On va attendre un petit peu, on est cool. Allez, bâtiment inactif ici. On a quoi? Faible gravité. Pas top. Minéraux plus 15. Et top pour les migrants. Alors, on va déblayer ça. Le bastion est ok. Là, on a le temps, mais on va améliorer la production minière. Il faudrait plus d'unités, les gars. La botte physique. Moi, je voudrais de l'unité, honnêtement. On va aller là-dessus. On peut rien pour l'instant, bah ouais, ouais, ouais. Allez. C'est déjà pas si mal. Ici, on va refaire des robots, des invasions. Sur Grep, bah oui, c'est Grep finalement. Voilà. Il fait une sauvegarde apparemment. Oula. Petite frayeur. On a intégré. Ah, c'est bien. La grande nouvelle. Alors. Trop de systèmes colonisés. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'aurais un secteur à faire? J'ai un secteur ici. Est-ce que je pourrais intégrer une nouvelle planète? Parce que
Et mon problème, c'est là. Survey complete. Et ouais. C'est eux, en fait. Ok, ça marche. Ce serait pas mal de faire un secteur ici. Honnêtement. Un ici, un là. Ah oui, j'en ai fait un ici, un troisième, d'accord. Et Caspadem, c'est comment là? On va voir un peu la planète. Caspadem Prime. Ouais, non. Monde stérile. C'est la Lune, d'accord. Et c'est des gens de chez moi, une belle planète. Qui est en contact avec personne. Darep, non. Grep et Vanna Prime. Ça va être Grep. Hein. Ouais. On va t'augmenter. Voilà, on récupérait Asgard. Et on ferme. C'est pas mal. Caspadem Prime. Est-ce qu'on peut augmenter quelque chose chez toi? Pas pour l'instant. Voilà. Et on a redescendu. Nickel. Bien. Et si on regarde maintenant nos populations. Jurabin. Voilà, on a les Kelzen qui aiment les montagnes comme les Rechetti. Ils sont doux en ingénierie. C'est cool, c'est cool. Et justement, est-ce qu'ils peuvent coloniser quelque chose par là? Monde subarctique, c'est un peu tôt. J'aimerais bien les développer. Monde désertique. Monde aride. Tropical. Savane. Pas encore ça. On verra. Bon, on retourne sur notre petite guerre quand même. Allez, on se déplace. Ça c'est bon, c'est le colonial. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On revient. On a donc une flotte de 665. Mais il y a du monde là. On va fusionner. Voilà. Pour l'instant, on fait rien. Voilà, ici, on pourrait l'améliorer en redoute. On va économiser tout ça. Complete. On est monté à pas mal. 722. Général Papalbator, il est temps de poser les armées. Allez, que la guerre commence. On voit les troupes. C'est bon. Ça y est, tout le monde est posé. Ah non! C'est parti. Dégâts des armées plus 10%. Hein. C'est bon. C'est bon tout ça. On se bat sur Schmo Schmo. On va accélérer un peu. Est-ce qu'on peut avoir les bombardements? Ah, ils ont l'air costauds quand même. Enfin, tu fais quoi? On est juste un peu au-dessus, hein. Ça fout les boules quand même. Par contre, j'ai pas un scientifique dans le coin. Allez, projet de recherche. Vas-y. Ça, c'est bon. Et les Prikititi, apparemment, n'ont plus de flotte. On est tranquille. On se sert. On regarde comment ça se passe ici. Encore. Ah, j'ai quelque chose de positif dans le coin. Tout se passe là. Alors j'ai qu'une petite flotte invasion. Hein. Par contre, armée à 222. Hein. Ah, il faut que je monte. Hein. C'est trop faible pour l'instant. Je suis à 109. Ok. Là, ça marche. Vaisseau scientifique. J'ai quand même 4 vaisseaux scientifiques. 5 vaisseaux scientifiques. Oh là là.
Le gouverneur Petite Patte, son air exténué donne l'impression qu'il a récemment pris une vingtaine d'années. Bah mon vieux alors. Ok. Il devient toxicomane. Bon, ici. Construction. Ah, c'est toi. Hop, hop, hop. Attends. Tu es ici. Ah, tu peux rien ici. Voilà. Et construction scientifique aussi si tu veux. À l'autre bout de la galaxie, je ne peux plus rien faire ici. Ah non, non, non. Honnêtement, là, je suis au top. Va te poser à Tibor, hein. Tu vas te mettre en tranquille pour l'instant. Quoi qu'ici, on a fait le poste d'observation. Alors, comment ils sont ceux-là? Ah. Égalitariste, doué en sociétal. Nomade, talentueux, préférence continentale. Ils sont pas mal. Spiritualiste. Écoute, c'est pas si mal que ça. Là je suis à 8 et là sinon je dépense 3 et on monte en sociétal, on booste le sociétal quand même. Allez, ce serait la nouvelle race peut-être. On relance le jeu. C'est vrai que là sinon je suis un peu mou. Ok, on commence à être coincé de partout hein. Our warriors are victorious. Oh, il y a du monde là. Hop là. Alors. Agitation. Toujours à 100. Qu'est-ce que me fait la station zone de sécurité? Bah oui. Quand même. Ça rigole pas. Secteur manquant de ressources, on verra plus tard. Trop de systèmes colonisés. Où ça? Où est-ce que j'ai un... Ah, parce que j'ai gagné ma guerre! Oui! Cool. Ça, c'est cool. Alors, Grep, bravo à toi. Voilà. Et du coup, hop, la flotte va là-bas. Et nous, on va jeter un œil à la planète qui a été conquise. À Schmo-Schmo. La capitale, il n'y a personne. Allez. Fait l'union, un petit peu les points d'unité, c'est important. Ça, c'était quoi? Le bastion en ruine, on va le réparer. Oh là 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 là. On va construire une pop qui a un robot un petit peu, ça va vous calmer. Là, je suis d'accord. C'est pas mal en énergie, c'est important. Fais-moi de la nourriture pour l'instant. Là c'est cassé, c'était un bastion. On va le réparer aussi le bastion, tiens. Ça fera deux bastions, pourquoi pas. Un labo de physique. Ça on est en train de le faire. Bon, on va espérer qu'on s'en sorte, hein. Honnêtement, c'est pas si mal. Alors, la station ici. Zone de sécurité, oui. Et la redoute, il me manque 316. Eh ben, ça va. On va y revenir. Ah oui, on peut pas aller là. On peut pas, on peut pas. Bâtiment inactif. Voilà, on l'a démoli, c'est propre. Ça, on va le réparer. Chaîne clinique en ruine, on la répare. Ok, c'est mon robot qui n'est pas prêt. Ça procure de l'unité ici quand même. Voilà. Allez.
Alors, on aurait de l'énergie centrale, oui. Le bastion, c'est bon. Ça serait bien d'avoir d'autres populations qui viennent, quand même. Ok, on va y arriver, je suis pas trop... Ça va le faire, hein. Allez, il nous faut, là, il y a des planètes, ici. Bien, est-ce que, durant cette partie délicieuse, on conquiert pas mal de choses, toujours les frontières fermées. Mais non, il doit m'aimer normalement. Avec ça, j'ai plus 25, mais non, ça fait rien. Bof, ça donne rien du tout. Rien du tout, on laisse tomber, hein. Je sais pas, il faut du temps je pense avec eux. Il faut attendre. Alors, invasion terminée, ça c'était bien. Eh bah c'est bon. À vitesse moyenne. Alors attends. À mesure que l'ordre social se délite sur Cléco, les résidents non originaires de la station des Bernicurlands sont de plus en plus fréquemment la cible d'une antipathie généraliste. Il y a du racisme! Ouais, hey, on va se calmer. Oh, punaise. Qu'est-ce qui pourrait le baisser encore? Mais on peut le faire qu'une fois en fait. Bureau de logistique, plus de capacité navale. Compagnie, ok. De toute façon, il nous manque de ressources, il faut qu'on fasse nos ressources. Ok. Ça, c'est nickel. Et on a gagné ça. Très bien. D'ailleurs, en station, on est à 20-20, d'accord. Et eux, par contre, ils ont bien mis les canons. Quartier d'équipage. Ce qui est une frontière, ce qui est logique. Ce qui devrait être le cas ici aussi. Chantier spatial, ancrage. Ah, par contre, là... Debris analyzed. Population heureuse. Bon, baisse de moins. Mais content, plus 215. Punaise. En apportant des... On baisse de 20, 50, 70. Ils sont vraiment mécontents. Hein. Ici, sur la Lune, ça va. Pourquoi? En même temps, si j'avais un bastion... ouais, bah tu vois. Je vais mettre ma bernique ici. On va juste faire une pop de robot, c'est une lune, on va pas prendre toute la place. Un minerai, une nourriture. Alors, générateur de bouclier. Bombardement orbito, on s'en fout un peu. Non, ça donne pas de bonus pour réduire un peu l'agitation. On n'a pas d'espoir de ce côté-là, misère. Mais on pourrait faire un bastion encore, allez. Ouais, on va attendre, on va attendre. Ah, c'est flippant, hein.
Et là, on est sur 30 heures prime, pourquoi ? A new conflict has erupted. 30 heures, une gynéco clinique, ça donne quoi déjà ? Un générateur de bouclier, un réseau minier. On pourrait en faire un, mais bon... Je regarde un peu ce que ça donne. Le générateur de bouclier, en fait, nous donne 3 en ingénierie, 3 en physique. Ou alors du sociétal, ce qui serait pas négatif, la génie clinique. Scientific breakthrough achieved. Ah, bonne nouvelle. Et puis je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode déjà. Non, mais c'est pas possible. Missile antimatière, nouvelle recherche. Armée robotique, 8000. Ah oui. Torpille blindée, c'est très cher. Construction des croiseurs, plus 25% rapide. Coût des croiseurs, moins 5%, ça c'est bien. Plaquage de cristaux imprégné. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Débris analysé. Et alors ça c'est quoi? Déclaration de guerre. La Zitorian Mandette avec la... Oui, bon, bah, c'est pas grave. Explorateur érudit, on les aime beaucoup. Il manque pas grand chose, hein. Pour faire un pacte de non-agression. Une convention de recherche? Ah, il m'intéresse là, pourquoi? Est-ce qu'il est plus intelligent que moi? Non, ça suffit pas. Minéraux? Eh oh! Voilà, on va se faire ça. Bon, je suis vraiment embêté pour... Attractivité de la xénophobie. Dans 7000 jours, ça... Ah, c'est pour ça que je galère autant! System survey complete. Ok, c'est bon. Bon. Alors chez les Davis, changement de société, de plus en plus curieux. Xénophile, ah c'est bien. Égalitariste. J'ai un xénophile, faut que ça continue. Et ce que j'aimerais, c'est quand même des montagnes. Alors on va prendre le temps quand même avant de partir. De se dire qu'on envoie notre intégration de jeunes peuples parmi nous. Monde désertique. Tropical. Alors, montagneux 80%. Sinon, arctique ou subarctique. Ah, arctique ou subarctique, tu peux. Arctique ou subarctique. Désertique, savane. Ok, ici on peut pas. Chez les Prikititi, on a pris tellement de choses. Non. Là, on pourrait 10, c'est pas terrible. Est-ce que ce serait intelligent de faire ici... J'ai un portail. Monde Gaïa, océanique et continental, désertique. Continental, là j'ai quoi? Subarctique. À la limite, comment il s'appelle par contre? Non, c'est pas eux. Kelkovich. Allez, voilà. Ici, on sera à 60%, mais j'ai envie de vous disperser un petit peu. En boost énergie. On va les mettre là. On va l'appeler Néo
Jinir, puisque c'est leur premier monde. Et je trouve ça très fun. Ok. Bon, ça, c'est bien. Et alors, en station, c'est vrai que ici, vite fait. Vral. Non. Moi, j'aimerais des stations où il n'y a pas de planète. Donc là, c'est pas possible. C'est mort. Là aussi, c'est mort. Qu'on puisse augmenter que des ancrages. Il a raison, mon petit Omari. Tu as raison complètement. Cybrex Alpha, non. C'est vraiment ennuyeux. J'ai pas de station idéale, j'ai l'impression qu'elles sont toutes sur des planètes. Et je suis limité encore. J'ai déjà 20 stations pourtant. Attends, on jette un œil là. Là, il y a une planète. C'est pas possible. Ah bah, Altair ! Ancrage, oui, non, bah... Ancrage plus 2, ça me coûterait... ok. 2 d'énergie que là, ça me coûterait que 1. Ça coûte cher, là. Ah non, vous m'amusez pas, les gars. Et Zargon... carrefour commercial, oui. Donc on y va. Compagnie commerciale, oui. On verra après, ça c'est pas mal. On prend quelques minutes ensemble. Hein. Non mais. Zambor. Batterie de canon. Ça oui. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les améliorer. Hein. Punaise, punaise, punaise. C'est vrai que j'en ai partout des stations comme ça. Crotte de crotte. Bon bah, on verra au prochain épisode, écoutez. Dernier coup d'œil quand même, vite fait, ensemble. Ici, la dernière poche de résistance. Donc, est-ce que je peux t'envoyer à Yultup? Voilà. Merci pour la sauvegarde. Je t'envoie à Yultup. Voilà. La flotte de Papa Albator à Yultup aussi. Merci. Et nous, on va jeter un œil à Itara. Super. Alors, on fusionne les flottes. Voilà. Cette fameuse lune, là. Une armée à 159. Et bah on est bien là. Moi je dis il faut y aller. Hein. Allez, on se fait une dernière bataille. On va régler ça. Il n'y a pas d'autres planètes? Ah, si, il y a des planètes là, non? Non. Et ça c'est quoi? Un monde subarctique? Ah bah écoutez. Ok, ça se passe bien. On va accélérer un poil. Je pense que les prix critiques, finalement, j'aurais pas dû attendre. Ils se prennent une tollée. The conquest of a new world has begun. Alors, une nouvelle colonisation. On est trop en capacité navale. Toujours trop. En unité. Dans 29 mois. Et là, ça va être la victoire. Oh, j'ai perdu une troupe. Allez, allez, allez. Victoire! Allez, Yuki Kiki! Oh, qu'est-ce qui se passe? Monde en phase, la planète nouvellement acquise de voile dans le système de Itara, possède des caractéristiques proprement incroyables, enveloppée d'une étrange enveloppe, faite de ce qui ne peut être décrit que comme une énergie psionique. Elle possède un nombre considéré, jusqu'à présent comme impossible, d'états quantiques superposés par unités d'espace. Oh, on va faire des soldats télépathes! Peut-être, si je comprends le truc. Tous les 3 mois, ce nombre d'états atteint un niveau critique et voile change alors complètement de phase dimensionnelle, ces champs de particules subissant alors une rotation des dimensions dans une autre. Cette rotation fait alors passer un monde enveloppé de sphères,
du sphère d'une autre dimension à la nôtre, avant de redevenir un monde Gaïa. Si nous souhaitons coloniser le magnifique monde Gaïa, nous allons devoir mettre au point une méthode pour empêcher que la planète redevienne un monde enveloppé de sphères tous les 3 mois. Ouais. C'est pas mal. Journal de bord. Voir. C'est ici. Consécration. Oui, ils viennent spirituels. Bon, on s'en fout. Moi, j'aurais besoin d'un scientifique. Voilà, on va l'amener. On va faire ça. À la limite, non. Lequel arrivera en premier? Vaisseau scientifique. Ah, il n'y a plus personne. Démantelé. Construction complete. C'est quoi ces vaisseaux scientifiques que je garde là? Ah, mais oui! C'est ma nouvelle acquisition. Évidemment. Évidemment. Côté planète, ici par contre. Bon, Grep, tu deviens énorme. Ça, c'est acquis. Et on ferme. Bien. Eh ben écoutez, on verra au prochain épisode. C'est un petit peu mou, peut-être pour vous. Mais c'est une réorganisation. Et la bataille se passe très très bien. Du coup, la flotte sauvage, tu vas là. Et après, tu vas là. Ça se passe bien. Mic de terre, au boulot. Merci à vous de m'avoir regardé. Regardez-moi cet empire, ça devient immense. On verra au prochain épisode. Je vais prendre ces dernières poches. Et après, on fera la paix. Je me moque un peu de ça. Oui, on verra. Merci à vous et je vous dis à bientôt, c'était Camon, c'était l'épisode déjà 36 je crois. Allez bye bye tout le monde.